Dans les années 70, tous les jeunes joueurs de hockey du Québec rêvaient d'être un Guy Lafleur. Moi, je rêvais d'être un Ken Dryden pour pouvoir un jour jouer dans la même équipe que Guy Lafleur. Guy, c'était un joueur plus grand que nature, dont les exploits et les prouesses n'avaient pas de limite. C'était l'idole, le héros, l'inspiration et la preuve vivante qu'on peut, qu'on doit rêver grand. En 1984, quand j'ai franchi les portes du Forum et que j'ai pris le corridor pour me rendre au vestiaire en vue de ma toute première pratique avec les Canadiens de Montréal, j'ai pris toute la mesure du héros qui se dressait devant moi. Une stature, de la prestance, du charisme. Le numéro 10 s'est habillé en 5 minutes. Intimidé, impressionné, je vivais un moment surréel. Avant de sortir, il m'a donné un coup sur les pads et m'a dit « Hey, le kid, bienvenue chez les Canadiens. » Parce que c'est ça, Guy Lafleur. C'est du cœur, un profond respect et de la générosité sans borne. C'est le gars qui prend le temps parce qu'il sait que pour toi, ces quelques mots vont faire toute la différence. C'est sa façon de dire que maintenant, on est dans la même équipe, qu'il va être là pour toi, même s'il va te shooter dessus non-stop dans les prochaines minutes. Notre affrontement le plus mémorable remonte au 4 février 1989, alors que Guy faisait un retour au jeu. Cette fois, dans l'uniforme des Rangers de New York. C'est aussi son grand retour au Forum. Dès l'échauffement, la foule était en délire et scandait son nom, une soirée magique. Tellement magique que quand il m'a scoré 2 buts, j'ai reçu une ovation. Ce soir-là, j'ai vu un héros revenir à la maison, retrouver ses partisans et recevoir cette immense dose d'amour avec beaucoup d'humilité. Ce soir-là, ce héros a même trouvé le moyen de relativiser mes erreurs et de lancer des fleurs à ses ex-coéquipiers. Ce soir-là, au Forum, on a tous réalisé à quel point il nous avait manqué. Des années plus tard, alors qu'il était au Centre Vidéotron pour tourner une publicité, il est venu me saluer et a pris le temps de jaser. Comme il l'a fait dans le vestiaire en 1984, c'était sa façon de venir donner un coup sur les pads d'un ancien. C'était sa façon de prendre soin des siens, de nous rappeler que même si on n'est que de passage dans une équipe, l'appartenance, l'amitié et la fierté perdurent bien au-delà d'une saison de hockey. Depuis l'annonce de son grand départ, les éloges se multiplient. Et clairement, la moitié de la population du Québec a une photo avec Guy Lafleur. Parce que Guy, c'est aussi ça. Une générosité hors du commun, un franc-parler et de l'authenticité, le respect profond des fans, ce souci de redonner, de s'intéresser réellement à l'autre et de prendre cet instant qui fait toute la différence. Je peux vous dire que même nous, les anciens, on a notre photo avec Guy Lafleur. On a encapsulé ce moment où il a pris le temps, où il nous a écoutés, conseillés ou soutenus. Comme pour se rappeler qu'au final, c'est l'équipe avant tout. Guy, quand je me replonge dans ses souvenirs, je réalise que notre relation aura été à l'image d'une game de hockey de 3 périodes marquantes. Comme coéquipier, comme adversaire sur la glace et comme ancien. Devant le vide immense que crée ton départ, j'avoue que j'aurais bien pris une prolongation. Mais je comprends que tu gardes ça pour le monde en haut. Au-delà des statistiques, des prouesses et des exploits, on prend aujourd'hui toute la mesure de ton legs et des valeurs de cœur que tu as insufflées à des générations. Repose en paix, mon ami. Tout le monde ici sait que tu es un vrai.